Salut tout le monde, c'est Lomi, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo sur Black Desert. Donc ça faisait à peu près un an, assez longtemps finalement, j'étais complètement rouillé. Donc exactement comme pour la vidéo sur Terra, j'ai décidé de faire le retour en version live, on va dire, sur Twitch, et de vous faire une compile du coup pour cette vidéo retour sur YouTube, du live Twitch finalement qui a duré à peu près 2 heures également, comme celui de Terra. Donc évidemment, comme pour Terra, quelques heures après le live encore, voilà, on reprend vite les repères. Donc le seul truc finalement dommage, c'est que pendant le live, j'ai pu tester la succession uniquement qu'à partir des persos tests. Alors que après le live, j'ai passé du coup mon main en succession, donc ma Soso en succession. Et ouais, ça dépote. C'est vraiment trop trop bien. Donc d'autres plein, enfin plein de vidéos en fait à suivre concernant la succession de la Soso, les nouvelles zones que j'ai pas pu tester, etc. Voilà, donc je vous souhaite bon visionnage. Oh là. Ça fait bizarre. Ah ouais, c'est assez. Mais moi j'avais le même souci, figure-toi. Mais je garde là par exemple, je spamme clavier. Attends. Bah là j'entends rien. Tu vois? C'est pour ça, là j'ai pris mon petit clavier. Je suis en clavier méca pourtant. Hein. Par contre, il n'y a que la C'est barre bien. espace et quand j'ai le micro assez proche finalement du truc, regarde. Elle, on l'entend quand même. Ouais, mais ça va. Mais bon, faut spammer comme C'est un toi. bâtard. Ouais. C'est toi le streamer. Mais oui. Lol. Yo, Paki, comment ça Bon. va? Attends, j'ai vu plus c'était, oui. Je regardais un peu ce qu'on avait en retour. La boîte de luxe de Shakatou. La boîte de rareté de Shakatou, je sais même pas ce que c'est comme différence. La boîte de luxe, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Mais Ah, on a 50 conseils de Valk, ça c'est bien. Ah là là, mais par contre, Eh, j'ai on a vraiment value plus pack 7 kiffé. jours. Ils sont généreux, attention, on a que 7 jours de value pack. Ouh! Putain, ils auraient pu filer un mois, quoi, c'est des radins. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a 10 000 trucs qu'il n'y avait pas avant. Putain. Et bah, Troc, c'est déjà, quoi ça? Gérer les marins. Je sais même pas ce que c'est ça. c'est le. Alors, je t'explique. Groupe de chat, Les il n'y avait marins, pas les avant. trocs. Classement des mercenaires, il n'y avait pas non plus. Hôtel sanglant, il n'y avait pas non plus. Y a des trucs que je ne sais pas ce que c'est, hein. Je vais pas te BDO mentir, y a TV, des trucs que je sais pas lol. encore. Mais y a des Waouh. trucs que pour l'instant c'est pas un must-have. Comment dire? Les marins en fait c'est des workers entre guillemets que tu peux foutre sur ton voilier maintenant. Ok. Peut-être pour différents trucs. Ok. Parce que maintenant ils ont encore augmenté des trucs en mer. Moi je pourrais pas bien t'expliquer parce que Ah je connais pas ouais. du tout le bateau. Ah ouais, ok. Mais par contre, à côté de ça, le troc c'est un nouveau métier qui se fait en mer en fait du coup. Ah ouais? Ça se couple avec la navigation. Ouais, c'est une espèce de forme de commerce, mais c'est un peu différent. Genre, c'est pas une monnaie. Enfin, tu peux te faire de la thune avec. À côté de ça, il y a une autre monnaie qu'on appelle les pièces de la mer, Ouais. qui te permettent d'avoir différents items, de les échanger et tout. Enfin, faudrait t'y intéresser de plus près quand tu D'accord. seras chaud un jour si ça Ouais, te pourquoi tente, pas. tu vois. Voilà, pour l'instant, ça va pas Mais être la moi, pour prio, l'instant, j'en ai mais. pas du tout fait. Hein. Ok. Là, je voyais les Mais fire par contre, je obscurs, peux ça te y avait renseigner. quand ça venait de sortir quand j'ai arrêté. Mais C'est trop bien, mec. mais C'est trop trop bien elles sont ça. toutes niveau 1. Alors, C'est je t'explique. En fait, les failles, en général, elles spawnent niveau 5. Et en fait, plus les jours passent, genre un jour passe, elle perd un niveau. Et en D'accord. fait, ça change absolument pas les loots, mais juste la difficulté. Ah ouais, C'est pour ça donc que la si c'est niveau plupart 1, du tant mieux, temps. ouais. Vaut mieux Bah, en fait, attendre. c'est ça, mais genre niveau 5, toi, t'as largement le stuff pour pas galérer et être en mode Ah oui, c'est chillax vraiment dès pour le les gens début. qui galèrent totalement, ok. Ouais, Donc c'est ça, ça, en fait, c'est c'était... pour les débutants, c'est adaptable pour le niveau. Quand les mecs, ils sentent qu'ils vont galérer, qu'ils vont se faire chier. Parce que moi, en général, quand j'en ai plein, je les fais tout d'un coup, tu vois. Ouais, bah ouais. Et Salut du coup, Armand, bah, comment tu vas? les mecs qui ont le stuff, dès que ça spawn niveau 5, ils s'en battent la race, ils vont faire. Ils font juste plus mal, en fait. Le Juste ça. troc, y a pas qui me dit que le troc, pardon, le trot, le troc est pas mal, mais qu'il faut un setup assez long en fait pour avoir une bonne rentabilité dessus. Ouais. Il a pas tort, Paki, parce qu'en fait, franchement, si tu veux être giga rentable avec le troc et que ça soit fait rapidement, etc., vaut mieux que tu sois. Enfin, si t'as le voilier de base, par exemple, bah, tu vas être beaucoup plus lent que si t'avais le voilier, ne serait-ce qu'un peu amélioré. Bah, il y a plein de trucs à faire pour que ce soit vraiment rentable et Wow. pour jouer. Attends, l'interface elle a grave changé, hein, putain. Putain, t'as réussi à avoir un pack promo en achat? Non, j'en ai deux, mais j'en avais déjà un. Mais après, c'était un. Non, Comment non, mais dire? dans ton HV. Ah ouais, mais c'était un truc que j'avais lancé avant.
que j'avais depuis longtemps. Ouais, mais, Drex, mec, hein, moi j'ai jamais réussi à acheter un seul pack promo. En un an, il est tombé. Bah cool. Attends, hop. Mais je vois que t'es en Kutum à presque 260. Ouais. Putain, ça va. Mais mec, tu dis ouais, j'ai du retard, machin. Tu sais que genre. Je suis à 273 en ouvert. Ah ouais? Mais ouais, gros. Non, mais franchement, c'est pour ça, genre, moi je tiens déjà à dire un truc avant qu'on commence et que je t'explique plein de trucs. Quand j'ai vu ta petite vidéo d'annonce en mode ouais, je vais reprendre Terra, je vais reprendre vidéo, t'étais là à t'excuser en mode désolé les gars, j'étais pas là, en plus je dois avoir masse retard. Moi j'étais là, mais. Non. De quoi tu parles? Genre, t'étais l'un des gars les mieux stuff de ton époque, genre. Ouais, mais il y a longtemps, maintenant, regarde, maintenant il est éclaté mon stuff. Mais mec, t'es toujours soft cap. T'es très bien stuff là. Hein. Bah, je suis en tête, y'a même pas de peine. Mais et les bijoux, il y a un bijou. Les deux bijoux, enfin les deux boucles d'oreilles, elles sont en clacos en plus. Gros, là, avec le stuff que t'as, enfin moi je sais pas, je fais pas énormément de PVP, genre j'ai jamais fait de node war de ma vie ou quoi, tu vois. Ouais. C'est pas vraiment. Enfin, c'est l'un des aspects qui me fait plaisir, tu vois, mais genre j'en fais plus occasionnellement, tu vois, du PVP qu'autre chose. Ok. Et à côté de ça, genre toi, si tu veux aller farmer au Miru par exemple. Bah t'es large, tu vois, genre tu vas les casser en deux et tu pourrais te faire, si tu viens avec moi et mon pote avec qui je farm par exemple, on pourrait se faire, je sais pas, genre 60-70 millions de blurs, tu vois. Ok, ouais, faudrait essayer. C'est bien stuffé, justement. Faudrait essayer, bah à voir aussi, hein. Parce que normalement j'ai des thunes qui doivent attendre. Alors là, je me souviens plus du tout, je vois que l'interface a changé, là, ici. Alors, titre, ouais, un petit journal, défi. Ouais. Je vais développer un petit peu. L'inventaire équipement, ils ont refait un truc il y a deux semaines, c'est ça, je suppose. Ouais, alors déjà ils ont changé la gueule de l'interface, je pense que ça t'as bien remarqué. Et à côté de ça, moi je la trouve bien, ça va. Mais en fait ils ont changé un truc pour gagner un peu des performances, ce qui n'est pas con du tout. C'est que avant, tu sais, quand tu enlevais un item et que tu le posais via ton inventaire par exemple, bah, tu sais, ton inventaire il s'actualisait en temps réel, en mode le slot il se ferme, enfin il y a un autre item qui prend sa place et genre tu sais ça se range quoi. Bah maintenant, genre, je sais pas, tu vas prendre un item sur toi, il va se mettre automatiquement à la fin de ton inventaire et tout. Et en fait, ton inventaire va se réactualiser quand tu vas le réouvrir ou quand tu vas cocher, décocher Trioto. Ils ont fait ça pour gagner des performances. Et il y a que le dépôt, du coup, quand tu vires des objets qui va s'actualiser en temps réel. D'accord. C'est pas un changement de ouf, mais ça. Ça se prend. Un peu la diff quand même. On sent que ça prend un peu moins de ressources, tu vois. Ouais, ok. Mais enfin voilà quoi, en vrai, les interfaces. L'HV, ton HV, il était comme ça à l'époque où t'étais. Ouais, il y avait le système d'entrepôt. Ouais, alors tu oui. Connais, ça, du coup. Ouais, ça je connais. Ok. Bon, nickel. Alors j'en ai entendu parler, Paki, mais. Ah putain, moi je peux pas te renseigner là-dessus. Enfin, je peux te dire ce que c'est, mais par contre pour te dire. Ouais, on m'a expliqué déjà. On m'a dit qu'en gros la succession c'est quoi? C'est une amélioration de tes skills non awak. Et en gros, t'as deux choix. C'est si tu prends ta succession, tu n'utilises pas tes skills à whack, mais tes skills normaux en gros sont boostés, c'est bien ça? Alors c'est ça, mais en même temps, c'est un petit peu un semi-mix de certaines compétences d'éveil. Ouais, peut-être que d'autres personnes pourront t'expliquer mieux que moi succession. Moi, je vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui, je vais t'expliquer tout un tas d'autres. C'est quoi tout ça? Des équipements. Est-ce que t'es chaud que je te fasse un topo sur les events actuels? Ah ouais, carrément. Alors, je t'explique. Là, ce que t'as sous les yeux, là, les boîtes. Ouais. C'est un event qui a jusqu'au 24 juin. Là, en ce moment, il y a un giga boost pour les casus. Hein. D'accord. Non, vraiment. Parce qu'en fait, il y a deux events pour les aider. Et puis, en fait, qui permettent de stuffer tes alts, tout simplement. Si tu n'as pas des temps. En gros, t'as l'event des boîtes de boss. Qui, en fait, là, ces boîtes-là, tu peux les prendre et les foutre sur n'importe quel perso. En fait, ça va être du stuff tree direct quand tu vas les ouvrir. D'accord. Et je t'explique, c'est pas du stuff classique. Tu vois, il y a marqué les équipements de boss réprimés. En fait, c'est les stuff de boss que tu connais, genre bandés. Mais non échangeables, je suppose. Alors, enfin, non-vendables. Non-vendables, non-optimisables. Enfin, tu peux les vendre uniquement à des PNJ, mais d'accord, c'est visible. Mais ils sont en tree, quoi. Ouais, les armes valent 200 millions. Ouais, donc et, c'est nul. L'armure valent 100 millions. Mais en fait, c'est trop bien pour stuffer des alts. Genre un alt que tu joues beaucoup, tu veux lui mettre les tri-armes. Et puis, bah, les tri-armes, canon, ouais. Tu pourras les changer. Ouais, c'est carrément bien. Bah, et ouais, puis, ton stuff, finalement, ton stuff, tu peux le mettre en banque. Donc, au moins pour les armes, c'est génial ça.
Ça, c'est ouais, vraiment trop bien ce qu'ils ont fait. Les armes, tu les ouvres quand t'es sûr que tu veux les mettre sur tel ou tel personnage. Ah bah ça c'est une super news parce que bordel, ils étaient... Moi, c'est ce que je reprochais sur ce jeu. C'est que finalement, tu pouvais pas reroll. S'ils mettent des petits trucs comme ça, c'est quand même vachement cool hein, pour pouvoir reroll. Ouais, mais attends, c'est pas le seul truc. Là, en fait, ils ont fait ça. Et ils ont fait aussi un autre truc, un autre event. Enfin, déjà, tu vois ce que je suis en train de te dire, là, le stuff boss. Ouais. C'est très, très simple à obtenir dans... Ouais, c'est ces trucs-là. Ah non, ça, les secrets. Ouais. D'accord, ok. Et ça, en fait, déjà, il faut être niveau 60 pour pouvoir tous les faire. Ça commence niveau 57, je crois. Ok. Et wow, ça en va. Fait, ça va être genre les quêtes, c'est genre tuer 1000 nagas, donner un pétale, enfin, c'est pas un pétale, c'est avant que tu ouvres la boîte d'une fée scintillante, tu la files à ton esprit occulte, ça c'est pour les bots. Mm-hmm. C'est le truc le plus chiant, par exemple. Il y en a un autre, c'est faire cultiver 5 graines d'olive. Des trucs de merde comme ça, tu vois. Genre, ouais, je vois. C'est vraiment trop bien. Parce que du coup, bah, enfin, moi qui suis déjà pas mal lancé dans le jeu et toi aussi, bah, du coup, c'est easy peasy. Genre, vraiment, en une journée, tu peux tout avoir si tu veux. Ouais. Quasiment. Et vraiment, le plus chiant, c'est les pétales de Layla, quoi. Faut en avoir droppé, faut en avoir de côté. Et en fait, c'est vraiment genre cadeau de limite. Et à côté de ça, il y a un autre event, c'est l'event Oasis. En fait, si tu vas vers le palefrenier, je te laisse aller voir, aller jeter un coup d'œil. Ouais, j'y vais. À côté du palefrenier, il y a un perso spécial event qui s'appelle Ellie. Mmh. Et en fait, ce perso, elle va te vendre tout un tas de choses. Ellie, ouais, je le vois. Putain, ils ont changé vraiment l'interface de tout, mais je trouve ça beaucoup mieux. Quoi ? Tri arme secondaire de Ramones, c'est quoi ça ? C'est trop bien ? Mettre plein de trucs alors, comme en fait, ça ? Je t'explique. C'est un truc qui ressemble attends, un peu à c'est Ramones, mais. Okay. C'est l'icône du Xarka et des armes de boss classiques aussi. Ah, en fait, c'est ça. Genre, ça vaut du Xarka, du Nouvert et du Dandé. Mais regarde, il y a écrit un petit écriteau en rouge. Cet objet est valable uniquement durant la durée de l'événement. Ah, ouais. Sauf que l'événement, il a duré... Enfin, ils ont marqué jusqu'à nouvel ordre. Du coup, on sait pas quand ça s'arrête, tu vois. Trop bien, ça c'est bien. Et franchement. Du coup, tu peux te faire... Là, il y a une carte du voyageur. C'est trop bien. Il y a même une boussole pour dans le désert. Il y a la bouffe et tout. Mec, ça, c'est moi calme. J'ai acheté plein de cartes du voyageur, la boussole je m'en sers à chaque fois que je vais dans le désert. Et puis les ah c'est trop bien ça. C'est tellement de thunes. C'est trop bien. Bah ouais. Et voilà donc n'hésite pas un silver à seulement. Mettre ça sur tous tes... Et mec tu mets ça sur tous les persos que tu joues. Ah ouais hein. Genre sur celui que tu préfères tu mets le stuff boss. Et sur les autres tu mets que du stuff oasis. Ouais. Et c'est pareil, il y a deux slots sur les équipements et tout. Enfin c'est vraiment comme du stuff boss. Ça a pas le même. Enfin, si, je crois que ça a le même effet que du stuff boss, genre les mêmes effets de set. Je te laisse regarder. La boîte d'équipement. Non, mais en fait, c'est surtout qu'on est constamment sous event. Genre là, t'as raté tous les meilleurs events. Le seul que t'as pas raté et qui est toujours actuel, c'est les boss réprimés là. Ouais, on m'a dit qu'il y avait du stuff. Ouais, il y avait du stuff à obtenir et tout. Ouais, plein de trucs super, on m'a dit, mais. Bah, en fait, t'as raté les événements des 4 ans. Et je dirais le truc le plus chiant que t'as raté, c'est. Peut-être à la limite tout ce qui était ce qu'ils nous donnaient tous les jours, genre les scrolls de loot, enfin les trucs comme ça, parce que c'est chiant à obtenir dans le jeu de base, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, hein, tu sais, genre de toute façon, c'est BDO, hein, si tu auras des events, il y en aura d'autres. Ouais, je pense, c'est pas grave. Bah, je te dis, quand t'as plus d'un an d'absence, ouais, t'inquiète pas que tu loupes des trucs, hein. Bah oui, c'est normal. Moi, pareil, évidemment. Hein, j'ai arrêté fin 2018, j'ai repris il y a un mois. Récompense pièce à récupérer, 223 millions, je sais même pas ce que c'est. Pierre noire magique. Bah ça va, t'as des trucs à récupérer. Les dromelles doux, les pétales de Layla. Je sais pas si tu te souviens, mais il me semble que quand j'avais arrêté, il y avait de la... Bah, ça existe depuis longtemps, mais il y avait de la renommée de famille. Tu vois ? Ouais. Et normalement, je sais que ça donnait des thunes. Alors oui, mais ça c'est dans tes mails. Non, c'est pas dans tes mails, c'est dans ton coffre de l'esprit occulte que tu as ouvert tout à l'heure. Quoi ? Dans ça, c'est ça ? Bah, en fait, attends, j'ai de la latence, je vais voir si t'as ouvert un truc. C'est ça, ouais, t'es 223 millions, apparemment, dit D'accord, ok, c'est ça, c'était lié à... Coup, quoi. Ouais, ok. Mais t'as vu, regarde, mets-toi sur la renommée de famille, et regarde ce que ça marque. Je sais pas si t'avais les avantages, toi, déjà, quand t'as arrêté. Non, mais attends, je regarde un truc, c'est bizarre, quand même. Parce que... Tu regardes juste ici, normalement aussi je dois avoir en gros, enfin je suis à peu près à 2 millions par jour.
Comment ça se fait que j'ai que, entre guillemets, que 223 millions en un an? Sachant que je gagne 2 millions, plus de 2 millions par jour environ. Tu vois, c'est bizarre, hein? J'aurais dû être dans les 700, hein. Ou 600 à la rigueur, mais ouais, c'est étonnant. Je sais pas du tout. C'est rien. Ouais, je sais pas. Je pensais avoir plus, au final, j'ai pas eu tant que ça. Je sais pas, peut-être des bugs ou j'en sais rien. Va savoir. C'est quoi cette merde? Des ânes. Pourquoi on aurait des ânes parcourir, c'est une blague ça? Des combats célèbres. Pff. Ça doit être pour la Shai, lol. En vrai, je crois. Ouais, sûrement. Ah ouais, c'est vrai que la Shai, ça venait de sortir. Elle a des skills spéciaux. J'ai pas pu essayer encore, ça venait de sortir. Il y a des trucs que j'ai pas eu, hein. Genre. Je sais pas. Ah, je sais pas, hein, ça date après. Hein. Genre, moi, je me rappelle quand je suis revenu, on m'a filé des pièces de la mer. Tu vois dans ton inventaire, à côté de là où tu vois tes perles, il y a des pièces de la mer en A0 là. Genre, ça c'est les trucs du troc, je t'ai parlé. Ah oui, d'accord, oui, ça. Okay. Ah non, pièces de crâne. Genre, on nous a aussi filé 800 pierres de crâne, je sais pas si tu les as eues, parce que c'était entre telle date et telle date. On a eu plein de bails comme ça, ils nous ont filé 50 millions. Ah, mais attends, non, j'ai des courriers quand même. Pièces de croc, c'est peut-être ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai dans les courriers. Merde. Ça, t'as masse truc. Donc moi je suis à 0,5. Des grosses sommes. Ouais, c'est sympa, ça se prend. C'est quand même pas mal quoi, genre. Ça se prend. Donc moi ce que j'ai loupé aussi, on m'a dit qu'il y avait eu comment dire, les outils de collecte. Moi j'étais encore à l'ancienne avec les trucs magiques, mais apparemment maintenant c'est des nouveaux. Ouais, mais non, mais gros, t'inquiète. Moi je suis encore avec les trucs magiques. Les trucs de Manos, ça coûte une blinde. Ah ouais? Ah ouais, non, mais les trucs de Manos, c'est vraiment quand t'es bien en life skill. Enfin, toi t'es bien en termes de level et tout, tu vois. Mais le truc c'est que. Ça coûte hyper cher à craft et à acheter, enfin les deux, donc toi c'est comme tu le sens, tu vois. C'est horrible, je trouve pas ma touche pour activer ma monture. Parce qu'en fait j'ai une souris à la con avec, je sais pas si vous voyez, il y a 12 boutons sur le côté, alors lequel c'est dedans de Ah mais non, je suis con, sur B2 c'est à siffler en fait. Oui, oui. Ah ouais, putain, non. Jusqu'à 500 mètres. Ouais. Ouais, la flûte, ça je l'ai. Ouais, non, c'était pas une touche directe. Hein. Tu peux monter sur le cheval avec. Ah ouais, t'as raison. Oui, je m'en souviens de ça. D'interaction, quoi. Je m'en souviens de ce truc-là. Il y a les réparations dessus. Bon, merde. Je finis vite fait le topo sur les events comme ça. Vas-y. C'est bon. De ce que je sais. Salut les gars. Il y a un event. Salut à tous. Désolé hein, pour les gens dans le chat et tout. Si moi je vous dis pas, je vais parler beaucoup et tout. Mais ouais, il parle tout le temps là. Arrêtez-le. Virez-le. T'as l'event des œufs de Flon d'or en ce moment. Ouais. C'est comme à chaque pack. Sauf que là, c'est pas genre tu vas à Florin et tu livres un œuf et ça te donne un œuf qui est en fait une boîte d'items, tu vois. Ok. Là, tu vas à Velia, tu parles à l'un des persos. Je t'expliquerai si tu veux le faire tout à l'heure dans la journée, c'est une fois par jour. Ouais. Tu vas voir le perso, elle va te dire hey, tu vois là-bas, il y a une oie, donne-lui ses légumes. Tu lui reparles pour qu'elle te donne les légumes, tu vas voir l'oie. Tu lui files les légumes, après tu retournes voir la meuf et elle te demande de choisir entre deux quêtes carrefour. Donc du coup tu prends soit l'une soit l'autre. Ouais. Et il y en a une qui te donne un œuf d'or et l'autre qui te donne des œufs à la con. Et genre j'ai jamais pris la deuxième parce qu'en fait la première, quand tu prends l'œuf normal, c'est pas une boîte, c'est un buff d'XP en fait à stacker par-dessus d'autres buffs d'XP. Et c'est genre d'accord. 300% XP plus 100% compétences pendant une heure. Et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ok. Putain, c'est quoi tous ces trucs de. Alors, les troisième destin là. Les premiers destins, tout ça. En fait, plus tu vas aller loin, plus ça va te redonner un item à chaque fois. Plus. Comment dire. Enfin, plus tu vas loin, mieux c'est. Là, t'es en train d'aller grave loin, je vois. T'as des violets. Putain, tu te mets trop bien. Contre des perles. Ouais, j'en ai que deux, attends. Bah non, mais t'as trop de chance là. Pourquoi, attends, ça m'a donné des conseils. Là, ah putain, ça donnait des conseils à chaque fois. Non, ah ça y est. Attends, écoute-moi. En gros, quand tu l'ouvres une fois, si ça te donne le conseil direct, ça va te donner un conseil plus 10. Okay. Si ça passe au niveau 2, ça sera du plus 20, plus 30, plus 40, plus 50. Et en fait, là, t'es allé jusqu'au max. Genre, il s'était pas ouvert jusqu'au niveau 5. Du coup, t'as reçu des vestiges du destin. C'est l'espèce ouais. d'item chelou là, que t'as drop dans ton inventaire. Et ça, ouais, je vois. Quand on a 5, t'as un bien de l'aventurier, qui est une bonne boîte à objets.
Okay. Et ça t'a droppé du coup 2 conseils de Vax plus 50. Du coup, tu t'es mis archi bien, t'as eu grave de la chance. Okay. Ah, ça vaut quand même 2 milliards cette merde, hein. Ah ouais. Ah bah oui, c'est du tête, mec, c'est du tête access, hein. Ça ouais, je pensais que c'était totalement décoté et que les prix avaient chuté, hein. Mais non, en fait, ça, c'est encore viable, hein. Eh les gars, mais calmez-vous, genre il vient de revenir dans le jeu. Mais mec, je me fais traiter, quoi. D'oreille et tout. Oui, non, mais d'accord, mais il verra ça quand il reprendra le jeu en main, parce que là. Il est déjà hyper bien stuffé pour un mec qui reprend le jeu, ça va quoi. Ouais, mais. Non, mais si, t'es bien. Il y a des les mecs, ils sont. Les mecs. Par rapport à toi, mais... Les mecs outrés des boucles, quoi. C'est. Oh putain, ça pue la merde. Ah ouais, attends, c'est quoi ça? Tu risques de jouer succession, donc la peine d'endé, tu t'en branles. C'est-à-dire que l'arme d'Awakening, en fait, va plus du tout servir. Non, on s'en branle pas, les gars, hein, parce que. Ah, les AP sont quand même pris en compte, quand même, j'espère. Mais non, mais parce que c'est comme, enfin tu sais, genre, il y a 35% des PA de ton arme principale qui vont agir sur tes PA d'arme d'éveil. Ouais, tu sais, ça. Ouais. Bah, c'est rétroactif, c'est pareil dans l'autre sens, tu vois. D'accord. Du coup, il faut que t'aies ta peine d'endé quand même. Oui, 30%, pardon les gars, genre, je connais pas les chiffres exacts. Ouais, ouais, d'abord. Oh putain, c'est quoi ça, il y a des nouvelles boucles? Il faut pas la prendre, tu vas pas jeter ta dendée juste parce que tu joues... Enfin, essayez, vous ferez moins de dégâts, hein, mais c'est votre problème, ça. Attends, regarde, celle-là, elle est pas... C'est nouveau, ça? Elle donne 18 AP. Bon, je vous laisse débattre de ça dans le chat, mais moi, en tout cas, je suis quand même chaud d'avoir ma peine d'endée, puisque je jouais veillé, donc... J'étais déjà plus bien stuff à l'époque. Quand j'avais arrêté le jeu, j'étais déjà... En fait, techniquement, ça fait 2 ans que j'ai complètement dégraissé sur BDO, que j'ai complètement arrêté le jeu. Maintenant, ça fait 1 an. Mais ouais, on va dire que la dernière année de jeu, je jouais un peu coup-ci-coup-ça, quoi, genre 1 heure de temps en temps. Des fois, je jouais même pas de la semaine. J'appelle pas vraiment ça jouer au jeu. Ouais, mais après, est-ce que j'étais déjà plus à jour? Parce que non, mais je comprends, mais bah, j'ai, en fait, évidemment, j'ai des objectifs, mais il faut être à jour, tu vois. Genre, il faut. Ouais, il faut... c'est ça. Mec, tu prends ton time, genre, on s'en fout. Là, t'as même pas de guild, donc pour l'instant, tu fais pas de node war ou de trucs qui nécessitent d'être méga stuff. Ouais, c'est sûr. Enfin, je veux dire, y a aucune raison. Je regardais un peu si, parce qu'apparemment, y a des trucs en. Incroyable. Ah, il y a les livres à faire aussi. C'est vrai qu'il y a des apps à gratter, je suppose, avec les livres. Putain, ouais, c'est plus... bah, 4 PA pour toute ta famille, 2 DP. Enfin, moi, je suis à moins 4 PA. Ah ouais, non, mais des trucs fumax. Moi, j'ai commencé à les faire. J'ai fini le 10ème hier. De la précis, de l'endurance, toutes les stats, DLT, DPV, des emplacements d'inventaire. Ah, les centaures aussi, tu peux les fondre. Bah, merci, je savais pas. T'as des fesses. Ah, ouais, j'ai des fesses, mais je pense pas que l'opti ça soit le bon plan. Je pense pas que ça soit le bon plan. Oui, mais moi je suis désolé à personne. Je japonise les noms, du coup je dis Miru. Et les gens qui disent Mirumok, mais moi je dis Miru, c'est comme ça. Miru. Vois, gros, mais, oui, c'est ça, mais je voudrais un logo vraiment qui me ressemble. Vrai, genre, voilà. on sait que c'est moi, mais c'est tout. Ouais. Et merci pour Quint, du coup. Toto. C'est vrai qu'il fallait que c'est Quinteux. C'est Quinteux. Et franchement, si vous voulez jouer au jeu des prononciations, vous faites comme vous voulez. Hein. Il est vexé. Il y a forcément des gens qui vont pas le prononcer comme vous. Moi, tu boudes. Non, c'est vrai. Non, mais juste, je m'y attendais tout le temps. Mais je suis pas le seul à dire ça. Hein. Ça va bien se passer, les gars. Bon, moi, il faut que je joue pour ma renaissance. Ah ouais, lol, regarde. Tu vois? Ce malade. Ah d'accord, ok, c'est cette touche-là maintenant pour les... Ah ok. C'est vrai, parce que Evinus, si je me souviens bien, à l'époque où tu streamais avant d'arrêter... Evinus, tu joues Soso, Vénère, toi, non? Evinus, c'était la meilleure Soso... je crois que c'était même la meilleure Soso inter-serveur. Hein. De loin. Ouais, enfin, je me souviens qu'il était balèze, mais je n'étais pas sûr. Si, il était super bon, Evinus. Ah, c'était... Bah, il a fait des tournois sur BDO et il a tout gagné, hein. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Il était bon. Nice. Ça va, t'es un bon prof dans le chat, quoi. Ouais. Ouais, il donne des bons conseils. Faut l'écouter, là. Mais à la limite, pour... Ah, succès. Il est reculé, genre... genre, ça a bloqué, c'est en mode quoi, what the fuck, que Striker ça bloque. C'est trop bien. Ah, sérieux. Quel génie, quoi. Ok, bah, Simer pour l'enseignement, c'est bon à savoir. C'est trop cool.
Bon, par contre, j'avoue que les combos... Ça va revenir, gros, t'as Master Awak pendant des années. Non, mais c'est surtout que je faisais des trucs comme ça, mais... Il y a des nouveaux coups et tout, il est bien stylax, mais... Parce qu'en fait, la touche C, pour eux, pour le jeu, la touche C, c'est la touche N pour moi. La touche N, c'est un putain de bouton de ma souris. Ah, mais ça va, mec, si t'as tout qui est bind sur ta souris, c'est tranquille. Ben, j'ai 12 boutons sur ma souris, évidemment que j'ai foutu des touches. C'est comme sur Terra, les gens me disaient, je comprends pas comment tu fais pour aller aussi vite entre F1 et F12. Je crois vraiment que je vais chercher mon F12, toi, sur ma souris, mon F12. Attends, je veux bien que j'ai des... Mes doigts, ils sont pas assez grands pour aller de F1 à F12, là, je suis désolé. Génial. Et ça, c'est quoi, ça? Pourquoi je vole, là? Pourquoi je suis en train de voler? Oh, trop bien! Oh, génial! Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais ça avait l'air sympa. Attends, je vais essayer de le faire sur le mec qui bouge pas, là. Ah ouais, les dégâts! Ça doit pas être le meilleur joueur du monde, mais ou meilleur stuff, mais... Non, mais ça fait mal, hein. Vas-y, là, Pakistanais, là. Je te fume. Ramène-toi. Ah, ça bloque pas, ça? Ah non. Vas-y, je fais aucun dégât, c'est de la merde. Et ça, ça bloque, non? Ça fait rien du tout. Combo. Combo, je connais pas les combos maintenant de Renaissance. Je vais essayer. Je vais essayer de balancer une Black Wave quand... Attends, j'essaie un truc, hein. Genre, admettons que je te fais tomber avec ça. Est-ce que si je fais la Black Wave, là... Ah oui, d'accord, ça te repousse encore, ok. Faudrait qu'il me dise un peu ce qu'il fait. Ok, ça, je vois. Par contre, ça, je vois pas. Mais mec... T'es sûr que c'est... Il a quoi en stats, lui? Parce que... Il a fait deux coups de Black Waves... T'as perdu toute ta vie. En trial? Ok. Alors tu fais quoi, ça? Rabam? Ok. Coup de pied au buff en précision, ça met la cible en l'air pour la air attaque du Rabam. Ah d'accord, ok. D'accord. Ouais, c'est ce truc-là. Ouais, je vous avais dit, hein. Je voulais essayer une demi-heure à lobby et c'est bon, il est concentré. Hein. C'est un peu mis en dégâts. Ah, je sais même plus, j'avais un sort pour... Non. Non plus. Ah, c'est peut-être ça? Ah oui, c'est ça, ok. Je sais même plus les jouer, tu vois. Tellement pas joué, succession, terrible. Je pensais qu'ils avaient monté les dégâts de ça, mais non, on dirait pas. Ça va, tu t'en sors, Lomi? Ouais, mais il sait pas jouer la Soso en... Bref. Et je pense qu'il va falloir que tu prennes ton temps et que tu testes. Ouais, je sais, mais le gars avec qui je joue là en face, enfin, il a créé son perso ce midi, donc niveau succession, il connaît juste le combo qui fait mal. Mais après, il sait pas vraiment jouer, quoi. Après, c'est vrai qu'on perd le gameplay de base de la classe que j'adorais. Mais bon. Ouais, des espèces de flèches de très loin. Mais regarde-vous, genre.
Tchou. Mais c'est super loin la portée. Oui, c'est genre ta portée. Ah mais genre de ouf, mais c'est quoi ça? Mais mec, c'est... regarde, juste le déplacement. D'ailleurs, tu peux spawner. What? Mais what? Ça a trop de portée. Et en fait, maintenant, tu peux lâcher un shotgun après ça. Après ça, genre... attends, j'ai pas l'habitude d'entendre. Vas-y, R. Genre, après toutes les esquives, en fait. C'est ça, casse-toi le pote de Lomi. L'enculé. Putain, j'ai mis des bains chelous, moi. Yes, ça passe. Oh! Ah, ça m'a bouffé le cooldown en plus! Connerie! Ah, ça t'a pas fait tomber, merde. Et là, oui. Oh, le con. Ne jamais venir. Ah, bien, ok, c'est ça. Parce que là, je suis toujours moyennement convaincu, bien que les dégâts sont quand même beaucoup plus flagrants qu'en AWAC. Je fais beaucoup plus mal en... beaucoup plus mal en... Oh putain, ah ouais. Ouais, ça, je te vois jamais l'utiliser, mais... genre ça, c'était pas trop mal, je crois, à l'époque, hein. Mais en soi, il y a trop de trucs que tu peux enchaîner, hein, mais... de toute façon, je pense qu'on arrive à un stade et Vénus, où même avec les AP qu'on a actuellement, on... limite, on peut one-combo les gens, donc... je vais quitter ça. Merde. Je sais même pas comment on sort d'ici. Arène de combat. Ouais. Voilà. Je vais stopper le live pour le moment, les gens. Pas que j'en ai marre du tout, mais c'est que... déjà, j'ai faim. Et surtout, je me suis blessé, en fait, à l'épaule hier. Et là, je galère à bouger mon bras et ça va pas du tout. Donc, je vais regarder ce que j'ai, mais... j'ai trop mal. C'est abusé. Trop mal au bras. Je restream sûrement du BDO demain, je pense. Demain, je vais sortir normalement une vidéo BDO qui sera finalement une petite compile de ce qui s'est passé dans ce live. Et puis, au soir, je vais sûrement stream du BDO. Voilà. Merci d'être passé, les gars. Bonne journée à vous, tchuss.